Vous êtes prêts? C'est sorti de secours avec l'ancien joueur du Tour, Alex Kaleka, qui va nous donner ses petits secrets sur plein de situations autour du green où vous êtes considéré comme pendu. Alors effectivement, Lorraine, c'est pas le meilleur endroit pour ce genre de drapeau. Maintenant qu'on y est, on va essayer de trouver les solutions pour réussir le coup. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est une balle très haute avec un petit peu d'effet pour qu'elle ait le temps de rester à côté du drapeau. Le plus important, c'est avant tout d'ouvrir la face de club un maximum. Donc ce que les amateurs ont tendance à faire, c'est d'être un petit peu timide sur l'ouverture de la face de club, alors que nous, on veut vraiment aligner la tête de club au ciel. Donc quand on met la face de club au ciel, forcément, les mains se retrouvent un petit peu plus basses qu'à l'habitude. Ensuite, moi, je teste, j'aime bien tester le sable. On a le droit de le faire en enfonçant les pieds. Voilà, là, on est bien. Je mets la balle proche du talon gauche. Et forcément, pour baisser les mains, pour ouvrir la tête de club, je me suis retrouvé avec un stance beaucoup plus large que sur des chips habituels. Maintenant que je suis idéalement placé, tout ce que j'ai à faire, c'est à faire un grand swing assez doux et à prendre la bonne quantité de sable. On va essayer. Si vous êtes là, c'est que vraiment vous avez loupé du mauvais côté. Mais grâce à Alex et ses petites astuces, on va s'en sortir. Allez, je me lance. Magnifique.